Et salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne des Inichichi. Donc je continue la journée de raconte des intros de vidéos que j'ai faites récemment. Parce que j'ai un petit peu de retard, comme je vous l'ai dit, là, j'enchaîne pas mal de vidéos par semaine. Donc vaut mieux ça que de manquer d'inspiration, vous me direz. Arrête de manger ça, mon petit vidéo. Donc, je vous avais promis de vous faire un vlog shopping avec ici hier ce qu'on a fait. Donc on a été dans pas mal de magasins, on a été à la foire fouille, on a été à Beta Fair, on a été chez Chichi, Miss Fafa, Pesto et Truco. Donc j'ai tué que dans Truco parce que les autres endroits ça n'avait aucun intérêt au niveau du chien. Je pensais trouver des trucs de collection chez Jiffy, mais ils n'avaient plus du tout de ça de Chihuahua, je t'ai écouté. Ils avaient encore toutes les autres races, mais pas de Chihuahua. Ipso! Donc à la foire fouille, pareil, j'ai trouvé des articles pour la collection Chihuahua, mais rien du tout. Donc pareil, un peu déçu, mais bon, on a acheté d'autres trucs à la maison. Donc j'en ai profité, c'est un truc faux de leur acheter quelques petits trucs. Donc je leur ai pris ces friandises de la marque Pédigré, donc ça c'est une marque que j'aime beaucoup. Donc des rodéos, des gros buns taille maxi pour les chiens et des tailles mini pour les autres. Lady, tu descends. Donc voilà, apparemment on avait une offre promotionnelle. Quand on en a acheté plusieurs articles, je devrais pouvoir bénéficier de tirages photo gratuites ou d'un album que j'ai voir lequel j'ai choisi en fonction du site. Donc ensuite, le soir, on a été repasser à McDo pour continuer ma collection de Furby. Donc voilà, le petit bleu qui est arrivé. Je commence à avoir une vraie invasion. Donc c'est mon sixième Furby de McDo. C'est qui veut celui-là? Ah oui, forcément, c'est les friandises qui vous intéressent. Et ensuite, à Casto, je pensais pas du tout trouver un truc pour les chiens, mais ils commencent, comme vous devez vous en apercevoir, à avoir une collection immense de jouets pour chiens. Donc je vais trouver ce batch, plus soft au niveau couleur, donc ça ira à côté du panier d'Ipso, pour mettre ses jouets à lui, parce que là, le mien, je sais pas si vous voyez à côté, mais ça déborde, c'est pas possible, on en a partout. Donc j'étais étonnée, c'est que je suis arrivée à Casto, je vois le prix affiché 1,90€ pour le batch, je me suis dit non, c'est pas possible, parce que quand j'arrive à la caisse, ça va être moins de 10 fois plus quoi. Parce que justement, en plus, que c'est pas que quand même assez cher. Et on arrête de se discuter. Donc quand je suis passée qu'ils étaient vraiment à 1,90€, je me suis dit, jackpot, c'est bon, je le prends. Donc voilà, j'ai fait les photos du bac installé avec tous les jouets, enfin répartis dans les bacs, tout ça. Parce que l'Ipso a tendance à avoir des jouets qu'il ne peut pas trop jouer avec parce que petit truc, ça aura son propre bac avec ses jouets qu'il aimerait jouer avec. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que la vidéo qui va suivre du vlog va vous plaire. Donc, petite visite avec Kitty à l'intérieur de Truffaut avec découverte des chiens, quelques poissons, quelques reptiles. Bon, je favorise pas les chiens, mais je vous ai fait quelques petites vidéos quand même. Je sais que là-bas, si je ne favorise pas du tout l'animalerie, je sais que chez Truffaut, ils sont vraiment bien traités par les employés. Toutes les espèces là-bas sont vraiment choyées. Et maintenant qu'ils sont sur place, au moins, ils sont bien traités. Les vendeurs sont des vrais passionnés. Dans Truffaut, il n'y a pas de problème là-dessus. Même si, comme je dis encore une fois, je ne favorise pas parce que je sais que derrière, c'est des mauvaises conditions et tout ça. Et que les adoptants ne sont pas forcément bons parce qu'ils n'ont pas le choix que de vendre à celui qui veut acheter. Donc, ils n'ont pas le droit de dire non, vous n'êtes pas bien. C'est la politique de chaque animal de toute façon. Donc voilà pour cette petite introduction, je vais vraiment maintenant la place au vlog et je vous dis bon visionnage et à bientôt, bye bye.
Hein?